La PlayStation 5 est installée confortablement à côté de notre téléviseur et comme vous le savez, la PS5 peut lire les jeux PS4 sans aucun problème. Néanmoins, nous allons tester la version européenne ici de Bloodborne. Voilà, pépère, c'est la version que vous avez également chez vous. Et on va tester la version japonaise de Tomb Raider Definitive Edition, voir si ça fonctionne. Concernant les jeux PS5, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, on vous livrera à la fin une réponse. Vous avez sous les yeux l'interface de la PS4 et comme vous pouvez le constater, il y a déjà Bloodborne installé, le jeu est là. Lorsque j'appuie sur croix pour valider, pour jouer à ce jeu, insérer le CD, ce qui est tout à fait normal. Donc version européenne, version française de Bloodborne. Je vais le mettre quand même comme ça, vous en avez le cœur net et vous allez voir que le jeu fonctionne sans aucun problème. Hop là, ça part direct. Ça cherche même pas à comprendre, chargement, bon voilà, ça fonctionne les amis. Hop, je vire la petite galette et maintenant on va se pencher sur le jeu japonais tout simplement. Alors, la grande question, hein, est-il possible de lancer des jeux japonais, nord-américains? Tomb Raider Definitive Edition, version Nippon, normalement il n'y a aucun problème. Hein. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, pour ce qui est des jeux PS4, aucun problème. Concernant les jeux PS5, évidemment, il n'y aura aucun problème également. Hein. Allez, hop, le jeu est reconnu. L'installation se fait automatiquement. Les mises à jour après sont recherchées automatiquement. Bon, ça, c'est un paramètre que j'ai activé. Et puis voilà, vous avez votre réponse. Oui, un jeu japonais. Oui, un jeu nord-américain fonctionne sur PlayStation 5. Cependant, ça va! Je lance le jeu, au moins vous avez la preuve. Voilà, les mises à jour se font automatiquement. Et voilà, le jeu est lancé. Encore une fois, vous avez la preuve sous les yeux qu'il est possible de jouer à votre jeu japonais nord-américain sur une console européenne sans aucun problème. Comme vous l'avez vu, le jeu PS4 japonais se lance sans aucun problème sur PS5. Qu'en est-il justement des jeux PlayStation 5 nord-américains et japonais? Eh bien, ça fonctionne. Donc si vous passez par l'import, il n'y a aucun problème, vous mettez votre galette à l'intérieur de la console, le jeu se lancera. Néanmoins, concernant les contenus supplémentaires, il vous faut un store adéquat. Ne vous inquiétez pas, il est toujours possible de faire des comptes utilisateurs japonais, nord-américain et européen et asiatique, enfin tout ce que vous voulez. Du coup, vous avez accès à ces stores-là. Nous espérons que cette petite vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu les amis. Ça nous permet d'être référencés sur cette énorme plateforme qu'est YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton abonné et activez la petite cloche. Ça permet d'avoir des notifications lorsqu'une vidéo tombe. Bref, nous vous disons à très bientôt. À très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne de GamerGen.com.